En Provence, la période de Noël, c'est l'occasion de célébrer les traditions, fêtes et coutumes qui rythment la vie des Provençaux pendant 2 mois, les fêtes calendales. Les festivités débutent dès le 4 décembre à la Sainte-Barbe pour se terminer à la Chandeleur le 2 février. C'est l'occasion idéale de découvrir l'authenticité du terroir provençal et des rituels ancestraux. Le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, la tradition provençale veut que l'on plante dans 3 coupelles des grains de blé afin de les faire germer. Cette tradition remonte à l'Antiquité et est synonyme d'espérance et de prospérité. Quand le blé va bien, tout va bien. Quand le blé va bien, tout va bien. Blé bien germé, c'est la prospérité pour toute l'année. Ces 3 coupelles qui représentent la Sainte Trinité seront ensuite disposées sur la table de Noël le soir du 24 décembre lors du gros souper. Le gros souper est le repas que l'on prend en famille le 24 décembre avant la messe de minuit. Il est composé de 7 plats maigres à base de poissons et de légumes en souvenir de la Vierge des 7 douleurs. Le terme maigre souligne ici l'absence de viande qui est réservée au repas du 25 décembre. La table est dressée avec 3 nappes blanches superposées. Une pour le gros souper le 24 décembre, une pour le déjeuner de Noël le 25 décembre et une pour le dîner du 25 décembre. Ces 3 nappes rappellent la Sainte Trinité des chrétiens, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La tradition veut que l'on dispose ensuite un chandelier avec 3 bougies symbolisant le passé, pour le souvenir des proches décédés, le présent, pour la fidélité aux amis et parents, et le futur, pour l'espérance des enfants à naître. On place aussi les 3 coupelles de blé de la Sainte-Barbe, 1 branche de houx pour apporter le bonheur, 1 pain coupé en 3, la part du pauvre, la part des convives et la part fétiche, et pour terminer, on ajoute 1 couvert pour le pauvre. Cette dernière coutume est dédiée aux défunts et aux mendiants qui demandaient alors l'aumône et que l'on invitait à se joindre au repas. Le 24 décembre, après le gros souper, la tradition provençale veut que l'on serve 13 desserts pour le réveillon de Noël. Ces 13 desserts abondent en références religieuses. À commencer par le chiffre 13 qui représente Jésus et ses 12 apôtres lors de la scène. Si on est libre quant au choix de certains desserts, 8 doivent toujours se retrouver sur la table. Tout d'abord, la pompe à huile, pièce centrale qui représente le corps du Christ et qui doit toujours être rompue à la main et jamais coupée au couteau, comme le pain de Jésus lors de son dernier repas. Viennent ensuite les 4 mendiants, 4 fruits secs représentant 4 ordres religieux. Les figues sèches pour les franciscains, les raisins secs pour les dominicains, les amandes pour les carmes et les noix pour les augustins. Les dattes, fruits qui ont nourri la Sainte Famille dans le désert lors de leur fuite en Égypte pour échapper à Hérode. Le nougat blanc et le nougat noir, qui représentent pour certains le pénitent blanc et le pénitent noir, ou pour d'autres le bien et le mal. À ces 8 symboles constants, on ajoutera 5 autres desserts qui varieront selon les traditions locales. Généralement des fruits comme la pomme, la poire et l'orange, mais aussi de la pâte de coing ou des fruits confits ou encore des calissons d'Aix-en-Provence. Les 13 desserts resteront 3 jours sur la table et chaque convive se devra d'en goûter au moins 1 de chaque. La crèche provençale est la coutume la plus suivie des Provençaux. La tradition provençale situe la naissance de Jésus non pas à Bethléem il y a 2000 ans, mais dans un petit village provençal au siècle dernier. La crèche provençale est la représentation d'un village typique de Provence avec ses habitants et leurs métiers traditionnels. Au sujet biblique s'ajoutent les santons qui représentent des personnages comme le meunier, le berger, la laitière, la bugadière, le bourrelier, le boulanger, le maire, l'arlésienne, le gardien, le tambourinaire, le ravi, le pistachier et bien d'autres. On peut admirer de superbes crèches dans chaque ville et village de Provence. Crèches géantes, crèches animées, crèches vivantes. Le véritable santon, du provençal Santoun,
qui signifie petit saint, est fait en argile. Il est créé artisanalement à la main par des santonniers. La première foire aux santons a eu lieu en 1803 à Marseille. Aujourd'hui, de nombreuses foires aux santons s'organisent chaque année dans toute la Provence. Parmi les plus importantes, il y a celle d'Aubagne, d'Aix-en-Provence et de Marseille. La pastorale provençale est une représentation théâtrale de la célébration de la nativité, parlée et chantée en provençal. Elle raconte avec humour la naissance du Christ, avec des personnages hauts en couleur que l'on retrouve dans les crèches provençales. Il existe un grand nombre de pastorales différentes, écrites soit par de grands auteurs, comme la pastorale Morel, soit par les villageois eux-mêmes. Les pastorales sont jouées dans les semaines qui suivent Noël, mais également selon les villages pendant les messes de minuit. La pastorale Morel est la plus célèbre en Provence. Créée en 1844 par Antoine Morel, elle est composée en 4 ou 5 actes et se joue chaque année au mois de janvier dans plusieurs villes de la région. Le pastrage est une tradition ancestrale qui rend hommage aux bergers. Le mot pastrage vient du provençal loupastre qui signifie le berger. Cette tradition est liée à la messe de minuit. Les villageois portaient leur offrande à l'église, fruits de la terre et fruits de la mer. Ce rite variait d'un village à l'autre, et l'offrande des fruits n'a survécu que lorsqu'elle était associée à celle de l'agneau, dans une cérémonie à laquelle prenaient part les bergers et bergères. Le cortège avançait, éclairé de faibles lumières traversant le village. Tous les pastres se rendaient alors en procession jusqu'à l'autel, au son des tambourins et galoubés, pour apporter l'agneau en offrande au prêtre et rendre hommage à l'enfant Jésus. Certains villages et villes ont conservé le pastrage durant la messe de minuit à Noël, alors que d'autres ont différé le pastrage au mois de janvier. Joyeux Noël en Provence !